Le téléphone portable est devenu indispensable pour tout le monde. Alors l'association Solutions Vertes tente de former nos aînés à ce petit objet qui pour certains semble venu d'un autre temps. Aujourd'hui, Katie profite de son stand dans ce magasin de Jarry. Moi je suis toujours resté très classique. Hein. Un téléphone fixe à la maison, pour moi ça me suffit parfaitement. Et puis là tout à l'heure je viens d'essayer de m'immiscer un petit peu avec WhatsApp. C'est quelque chose de très bien, très bénéfique pour tout le monde. Il faut avancer. Et en téléphonie comme ailleurs, ce sont souvent les premiers pas qui sont les plus difficiles. Dans la révolution numérique que nous vivons, le soutien aux aînés est un devoir pour cette bénévole. Justement, on s'est rendu compte qu'avec une évolution tellement rapide des technologies, de la dématérialisation au sein des institutions, je prends le cas de la retraite.fr, Amélie.fr, et puis les impôts qui deviendront bientôt une obligation, ben, il faut faire ce saut digital. Depuis sa création il y a 3 ans, l'association a déjà formé 260 personnes dans une dizaine de communes de l'archipel. Vous regardez ETV,